Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Cette semaine, nous allons faire le tour de l'actualité avec un invité de prestige, le CTN de la Fédération Française de MMA, Lionel Brezefin. Bonsoir. Bonsoir. Toujours à mes côtés pour tout simplement avoir le sourire, mais surtout poser les questions qui fâchent, Sébastien Love. Et tu seras avec nous donc, pour nous parler de la polémique en ce moment autour de Slim Trabelsi qui sera avec nous à la fin de cette émission. Également dans ce programme, Azaël Hadjoudj sera parmi nous pour nous parler du Bellator de Dublin. Voilà, ils sont connectés, on va les retrouver en fin d'émission. Pour l'heure, eh bien, on va commencer en douceur avec du MMA amateur. Elle est pas belle la rime? Magnifique, magnifique. Le circuit amateur, c'est le gros chantier de la fédération. À quoi on peut s'attendre cette année? Parce qu'on a eu déjà c'est-à-dire les prémices du championnat de France l'année dernière. On est sur quel type d'évolution cette année? Là, l'idée, c'est de créer un circuit à l'année avec plusieurs étapes en France, dans toutes les régions. Et à l'issue de ça, pouvoir proposer un classement des amateurs en France. D'accord, donc un peu calqué sur le système du judo, finalement, il y a un ranking, et ça permet de devenir quoi? Champion de France, de se qualifier pour le championnat de France? Ou un peu comme on retrouve l'ATP au tennis, et l'idée c'est de pouvoir avoir les meilleurs Français en fait par catégorie, et ensuite de pouvoir prendre ces meilleurs Français pour les mettre sur une épreuve que seront les championnats de France. Alors là, vous avez déjà commencé à programmer, j'imagine, ces circuits régionaux, comment ça va s'organiser? Là, sur la saison précédente, on avait choisi de s'appuyer sur les clubs. Et en fait, c'est assez compliqué de solliciter les clubs et c'est pour avoir des réservations de salles. Donc là, on va s'appuyer sur un ensemble de CREPS. Donc, c'est des centres régionaux du sport. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur des CREPS et aussi sur des clubs partenaires qui souhaiteraient être une des étapes du circuit. Vous avez déjà une idée du nombre d'étapes? Pour l'instant, on est parti sur 5 étapes, donc 5 grandes régions, un peu comme les indicatifs téléphoniques. On continue de fonctionner comme ça avant d'avoir plus d'entrées en région. Et ensuite, avec des partenaires, des clubs partenaires dans différentes étapes, y compris la Corse ou même les Outre-mer. Ouais. Quel bilan peut tirer de la saison dernière? C'est-à-dire qu'il y a eu ce championnat de France, on a aussi eu des participations à des championnats internationaux à l'IMAF, qui est le gros circuit amateur. Quel bilan peut tirer de cette saison-là et quels enseignements on peut tirer pour cette année du coup? L'année dernière, pour les championnats de France, ça a été assez compliqué parce qu'on était quand même toujours en période Covid, donc on ne savait pas si on pouvait avoir du public, pas du public. Donc on avait des conditions sanitaires qui n'étaient pas évidentes, mais il fallait quand même lancer un championnat de France, donc on l'a fait. Il n'est pas forcément représentatif puisqu'on a eu 120 participants et ça ne représente pas l'intégralité des gens qui pourraient y participer. Cette année, on va faire mieux avec un circuit qui sera plus élaboré pour avoir des championnats de France qui soient encore de meilleure qualité, même si ça reste satisfaisant. L'objectif de créer tout ce circuit, quel est-il? C'est d'avoir une structure haut niveau, c'est ça? L'idée, c'est déjà de pouvoir apporter quelque chose aux licenciés. C'est-à-dire que la compétition, ça fait partie du principe de délégation. Donc en fait, on est obligé d'avoir un championnat de France. Et pour avoir ce championnat de France, il faut qu'on l'alimente avec un circuit compétitif. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir ouvrir les perspectives vers le haut niveau, avec notamment des filières de détection et de la représentation qui soit significative à l'étranger. Justement, l'étranger, tu peux nous en parler? Quels sont les critères de sélection? Comment vous recrutez vos futurs ambassadeurs pour l'IMAF, pour un championnat du monde, un championnat d'Europe? Donc là, on a pris tous les médaillés. C'est-à-dire que tous les médaillés des championnats de France font partie du Team France, puisqu'il nous faut bien sûr un titulaire, mais il nous faut un remplaçant si le titulaire est indisponible. Et il nous faut aussi des partenaires d'entraînement. On reste un sport individuel à entraînement collectif. Donc, combattants? Là, on a une quinzaine de combattants. Okay. C'est une grosse équipe quand même. On a une grosse équipe. On a fait un regroupement. Il y a eu un regroupement avec ceux qui partent aux Europes. Donc les Europes seront en Italie à la fin du mois. Donc il y a eu un regroupement avec ceux qui partent aux Europes. Et il y a deux mois, on a fait un regroupement avec l'intégralité de l'équipe où on a pu faire un feedback de ce qu'on avait vu au championnat du monde avec Johnny Frachet pour qu'on amène des compétences supplémentaires à l'équipe et surtout des compétences qui soient en lien avec ce qui se fait sur le circuit amateur à l'étranger. Mm-hmm. Il y a quelques années, les combattants devaient un petit peu autofinancer ce projet-là lorsqu'ils voulaient combattre l'IMAF. On en est toujours là ou ça a évolué? Là, c'est la fédération qui prend intégralement en charge le transport, l'hébergement. Et c'est une belle avancée. C'est une belle avancée. Ouais. Franchement, bravo. Tu y crois, toi, au MMA, aux Jeux Olympiques, un jour peut-être, dans un futur proche? Parce que l'IMAF a manifesté cette volonté déjà depuis un certain nombre d'années. C'est quelque chose de réaliste aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont essuyé deux refus du CIO qui invoque le fait que l'activité, en fait, elle se retrouve. On retrouve de la lutte avec la lutte et le judo, on retrouve de la percussion avec la boxe. Donc aujourd'hui, le CIO voit pas forcément l'intérêt. Maintenant, dans le choix qui est fait sur la représentation et les disciplines,
le caractère de populaire, il est important. C'est pour ça qu'on retrouve du skate, c'est pour ça qu'on a du break. Et en fait, le CEO, ce qu'il veut, c'est aussi que ce soit regardé. Donc peut-être que les mentalités vont évoluer de ce côté-là. Ouais, il va falloir encore patienter un petit peu. Ouais, un petit peu, mais ça pourrait arriver. Ouais, pourquoi optimiste, pas. Ouais. Ça, donc, c'est le volet combattant. Qu'est-ce qui se passe au niveau des coachs? Le processus de formation. Aujourd'hui, tu veux devenir coach de MMA, qu'est-ce que tu dois faire? Pour être coach de MMA, il y a trois niveaux. Donc, le premier niveau, il n'y a pas de grade technique requis. Tu es assistant coach, donc c'est ouvert à tout le monde. La plateforme, elle est en ligne, donc tu te formes en ligne de chez toi. Il n'y a pas de déplacement prévu. N'importe qui peut, voilà. Tac, ouais. Je suis en ligne, je suis assistant coach. Tu es assistant, c'est-à-dire que tu dois veiller… Tu fais une formation quand même. Tu fais une formation et tu veilles aux conditions de sécurité. C'est-à-dire, tu t'es évalué, donc tu es évalué tout au long de ta formation, mais tu n'as pas les prérogatives pour être en autonomie. D'accord. Tout ça en ligne. En ligne. Oui, parce que attends, il y a une année, il y a un an, pardon, je crois qu'on pouvait avoir des assistants coachs qui n'étaient pas formés, qui n'avaient pas de diplôme. Ça, donc, ça a changé. Maintenant, toute l'équipe doit être diplômée, entre guillemets. Non, il a toujours fallu être formé. C'est-à-dire que ce qu'on a ouvert en premier en 2020, parce qu'en fait, on a eu la délégation en février 2020 et la prise de licence était prévue en septembre. Donc, il a fallu former des gens entre février et septembre. Donc, c'était Covid, on ne pouvait pas se réunir. Donc, il y a eu une formation qui était 100% en ligne et qui a été faite par 700 coachs en France. Et donc, c'était le document requis pour être sûr que les gens qui encadrent aient des capacités, tout du moins théoriques, d'encadrement. Ouais. Sachant qu'il y a 12 chapitres, il faut 80% à chaque chapitre pour passer au suivant. D'accord. Sur le dopage, sur la discipline, sur les règles techniques, sur le code sportif, etc. Donc là, maintenant, pour ces gens, pour le diplôme, le BF2 qui est proposé, il faudra avoir un grade technique, le grade vert, plus la formation théorique en ligne. Okay. Donc en fait, avec les deux, au moins, on est assuré que les gens, ils ont une validation technique, ils savent pratiquer, et ensuite, on leur donne des contenus théoriques relatifs à l'encadrement. Alors, il y a le MMA Factory, là. Ils viennent de lancer une formation diplômante. Ça a un rapport avec la Fédé ou pas? Alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en mars-avril 2020, le ministère des Sports me contacte et me dit il faut qu'on mette en place un dispositif de professionnalisation. Donc, en fait, la voie de professionnalisation classique, c'est ce qu'on retrouve avec le brevet professionnel, le BP, le DE, le DES. Seulement, pour faire ça, il faut qu'on soit sûr qu'il y ait une employabilité au bout. Donc le ministère dit là c'est trop tôt, vous venez de c'est 2020, c'est pas intéressant. Par contre, on peut ouvrir le certificat complémentaire, donc c'est une certification particulière. Donc avec Johnny Frachet, on a participé à la rédaction et autour de la table, on avait les représentants formation de l'ALU, du judo, du karaté et de la FFKMDA qui nous expliquaient aussi ce qu'était un peu le MMA, donc c'était très intéressant. Et à l'issue de ça, on a proposé un texte et ce texte, il faut passer cette certification et à l'issue de cette certification, tu peux encadrer le MMA contre rémunération. Mais il faut avoir un BP, soit en lutte, soit en judo, etc. Donc il te faut forcément un BP. Par contre, les gens qui ont passé le BF2 durant cette période de confinement-là, à partir de juillet 2020, ce BF2-là, en fait, ils ne sont pas obligés de passer le certificat complémentaire. C'est-à-dire que ce BF2, voilà, c'est un acquis. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à négocier, parce que pour que les 700 personnes qu'on a formées, parmi eux, il y en a qui ont des BP, au moins, comme ça, ils n'ont pas le certificat complémentaire. Alors, c'est un BP spécial sport de combat. Le BP métier de la forme, par exemple, ça passe pas? Non, ça passe pas. D'accord. Il fait pas partie des BP D'accord. reconnus. Ouais. Alors, on a abordé les combattants, les coachs. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des organisations. Quels échos tu as eu, Sébastien? Parce que toi, tu travailles en étroite collaboration avec toutes ces organisations, puisque tu es speaker. Raconte-nous un petit peu les échos que tu as. Alors, bien évidemment, j'ai un peu les bruits de couloir derrière, les coulisses, en fait, où c'est la difficulté pour un organisateur d'organiser un gala, ça, on le connaît. Mais il y a toujours les mêmes choses qui reviennent un petit peu. Alors, c'est très français de critiquer, on est très critiqueurs, voilà. Mais moi, j'entends beaucoup, déjà, le coût pour un organisateur d'organiser avec la fédération, avec la FMMAF, la rigidité de l'encadrement. Alors j'ai vu des scènes, alors c'était au début aussi, alors je peux comprendre que ce soit un peu tatillon, mais j'ai vu quand même un officiel passer son doigt entre la bâche et la porte et dire « non, ça va pas, si mon doigt passe, le gala ne se fera pas ». Donc vous avez une heure pour baisser la porte, ce qui est assez ennuyant et terrible pour un organisateur, parce qu'il est dans l'urgence, il a d'autres choses à gérer, donc il y avait ça, et également le nombre élevé d'officiels obligatoires. Parce que tout ça, ça représente un coût, et pour un organisateur, il a... Et c'est toujours, ça arrive toujours un petit peu une heure et demie avant le début des premiers combats. Donc... Mon cher Lionel. Est-ce qu'un peu plus de souplesse est prévu au programme de la fédération? Comment vous répondez un petit peu à ces problématiques
Est-ce que vous êtes devenu plus cool ? Tout en restant très professionnel et sérieux, bien évidemment. Et alors, je n'en doute pas un seul instant te connaissant. Bien sûr, puisqu'on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et du coup, c'est intéressant parce que là, on parle d'organisation privée d'organisation professionnelle. Mm. Donc, on est bien d'accord qu'on parle d'organisateurs professionnels. Professionnels. Donc, on parle de professionnels. Oui. Qui veulent monter des événements. Tout à fait. Donc, moi, je suis toujours surpris puisque le code sportif, il est en ligne depuis septembre 2020. Et je trouve ça triste, en fait, que les gens fassent des découvertes à une heure de l'événement. Et peut-être qu'il faudrait peut-être prendre le temps de lire le code sportif. Ça pourrait être un conseil, parce que c'est bien de, quand on fait un jeu, d'en connaître les règles, parce que c'est difficile de les apprendre sur le tas. Après, il faut savoir que nous, ce qui prime, c'est la sécurité. Donc, on a une responsabilité, parce qu'en fait, l'organisateur, il arrive, il monte son événement, mais par contre, c'est sous l'égide de la fédération. Donc, ça veut dire que nous, on a une responsabilité sur la tenue des combats, sur les oppositions. C'est pour ça qu'on fait attention au palmarès, que tout n'est pas forcément possible. C'était ma prochaine question. Ouais, on y arrive. Et du coup, pour nous, il y a trois points de sécurité. Le premier point de sécurité, c'est un staff médical. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait suffisamment de médecins qui puissent intervenir, suffisamment de personnel qui puisse intervenir. Aujourd'hui, on a eu quand même des manifestations où la personne au pied de la cage était médecin légiste, avait jamais vu de sport de contact ou de sport de combat, et où tu as un médecin qui fait une découverte en découvrant l'activité. C'est marrant parce que médecin, ça a jamais été un reproche. Au contraire, exactement. Mmh. Mais j'ai une anecdote sur un gala où, alors c'était encore à huis clos, c'était pendant le Covid, et la cage était très proche d'un mur. Oui. Et dans les règles donc de la Fédé, il faut qu'il y ait une distance. Oui. Sauf qu'il n'y avait pas de public, donc ça ne gênait pas et ça a été une catastrophe. Et le gala n'a failli ne pas se faire à cause de ça. Ouais. Mais là… Et du coup, on peut observer qu'aujourd'hui, cette cage, elle est toujours au même endroit et qu'il y a du public. Et que l'événement se fait quand même. Donc c'est bien, parce que comme ça, les gens, ils ont vraiment pris en considération ce qu'on a dit. Et nous, c'est ce qu'on adore. Après, on a des gens aussi, on fait des vérifications de cage. On fait une vérification, on s'en va. Le lendemain, on revient, elle a bougé d'un mètre. Donc, comme les cages ne bougent pas toutes seules, on suppose qu'elle a bougé et on se rend compte qu'il y a des éléments dévissés et qu'on a des planchers qui font des va-et-vient comme ça, en fait. On va dans des endroits où on se rend compte qu'on a le grillage qui remonte aussi, avec des aspérités. On va dans des endroits aussi où on arrive et finalement, on a la bâche en vinyle et en dessous, on a juste de la mousse pour protéger les verres et les assiettes. Donc, c'est un peu compliqué de faire un amené au sol dans ces conditions. Et du coup, c'est vrai que nous, sur le plan de la sécurité, la cage, c'est important. Et aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des cages sont des prototypes. On a fait, nous, une codification. On a défini un cahier des charges sur ce qu'on attendait d'une cage professionnelle. Mais il faut quand même savoir que la plupart des cages, c'est des prototypes qui sont montées aussi pour répondre à une disposition, mais qui n'est pas forcément propice au travail. Et quant au nombre d'officiels, il y a 11 officiels attendus, comme au tennis. Au tennis, ça choque personne. Nous, on fait un sport avec mise hors de combat. Donc, notre but à nous, en fait, c'est quand même de débrancher quelqu'un et de créer un ébranlement cérébral. Et en fait, pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de sécurité. Après, les organisateurs, ils veulent toujours baisser la facture. Et si on laisse faire, je pense qu'on finira avec un arbitre et puis une cage en allumettes. Donc, notre boulot à nous, c'est de veiller un peu à ça aussi. Les rivalités, on va en parler parce qu'il y en a d'autres et elles prennent une tournure internationale. C'est une grosse polémique qui a éclaté, Sébastien. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est une très grosse polémique donc, qui a éclaté sur les réseaux sociaux. On voit que ça sur Instagram, Facebook et autres supports. Alors, pour résumer un petit peu ce que l'on sait déjà, ce que tout le monde a un petit peu vu sur les réseaux, Salim Trabelsi gagne la ceinture de l'ARES. Ok, ça tout le monde le sait. Monsieur Lopez organise la rencontre entre Salim Trabelsi et Mick Maynard, qui est le matchmaker de l'UFC. Mick Maynard lui promet de le revoir très vite, donc signifiant qu'il allait sûrement signer un contrat dans l'organisation UFC. Salim signe à l'UFC, mais sous les couleurs d'un autre manager qui se nomme Ali Abdelaziz, c'est-à-dire que c'est l'un des managers les plus influents du monde. Salim est renvoyé de l'UFC, donc à l'incompréhension générale. Et on apprend que M. Lopez demande 90 000 euros à ce matchmaker Ali Abdelaziz pour le libérer. Ali Abdelaziz lui propose un compromis. Il propose à M. Lopez 10% de commission. M. Lopez refuse. Et aujourd'hui, voilà, on ne sait pas en fait où en est la situation. Et alors, tout le monde a son chant de cloche, tout le monde a son… Mais voilà, là, c'est vraiment ce que j'ai récupéré sur les réseaux. Donc maintenant… Alors, ce que je vous propose pour y voir plus clair, eh bien, c'est d'aller chercher l'information à la source. Et justement, Salim Trabelsi est avec nous et c'est notre interview Spotlight. Bonjour Salim, comment ça va ? Tu m'entends ?
Oui, je l'entends. Comment tu te Ça va sens? et vous? Comment ça va au lendemain de cette superbe ceinture du RS? Ouais, je sens bien. Je suis satisfait pour cette fois et pour cette ceinture. D'accord. Alors là, tu es vite passé, comment dire, du sourire aux larmes. Bon, bien sûr, c'est une image, mais on aimerait comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je vais te poser plusieurs questions pour qu'on comprenne bien dans l'ordre comment cette histoire a éclaté en fin de compte. D'abord, est-ce que tu avais signé un agreement, c'est-à-dire est-ce que tu avais signé une convention avec le MMA Factory? Est-ce que tu étais signé par le MMA Factory Management? En fait, lui, pour combattre à Arès et pour faire des combats, et il t'oblige pour faire pour manager de la part de Lopez, même si tu veux pas. Mais pour ma situation, en fait, moi, je suis ici, j'ai pas les papiers, j'ai pas le choix, je peux pas voyager pour aller à des autres organisations pour combattre. Et je suis obligé de combattre en France et rester à Arès. Alors, j'étais obligé de travailler avec lui. D'accord. Donc ça, c'était la condition. Pour pouvoir combattre à Arès, tu étais obligé d'avoir un contrat de management avec le MMA Factory. Ça, c'est le point de départ. Est-ce que dans ton contrat, il y avait une clause qui expliquait justement que si tu étais repéré par l'UFC, on pouvait te libérer? Ça, tu as cette clause dans ton contrat? En fait, au départ, quand il m'a dit tu as un contrat de 4 combats à Arès et si l'UFC t'appelle, je te laisse partir à l'UFC. Et moi, je l'ai fait confiance et j'ai signé le contrat. Et là, quand l'UFC m'a appelé, il essaie de me bloquer avec le contrat d'Arès. Mais parce que quand il t'avait dit qu'il te laisserait partir, est-ce que c'était te laisser partir mais avec lui en management ou est-ce qu'il pouvait te laisser partir avec n'importe quel manager? Parce que là, du coup, tu es parti avec Ali Abdelaziz. Enfin, voilà, quelle était la nature de ta relation avec Ali Abdelaziz avant le RS? C'est ça qu'on a un peu du mal à comprendre. Oui, exactement. Ali Abdelaziz, il m'a promis, il m'a dit, après le combat du ceinture, si tu gagnes le combat, parce que c'est un combat avec un gars qui a 12-0 et un combat très important, si tu gagnes le combat, tu prends le ceinture, je te mets à l'UFC et ça, c'est ce qui s'est passé. Et pour la rencontre avec le matchmaker, Mac Miner, c'est pas lui qui l'a organisé ça, c'est Ali Abdelaziz. J'ai été au courant avant le combat qu'il va venir regarder le match. D'accord. Et après, lui, Lopez, il était surpris. Il a vu que le matchmaker, il est là. Il a fait quoi? Il a pris le caméra. Il a montré à tout le monde que c'est lui qui a fait la rencontre. Mais ça, c'est pas vrai. D'accord, donc en fait c'est ça qui s'est passé parce qu'on a mal compris cette histoire. Donc en fait, c'est Ali Abdelaziz qui organise ta rencontre avec Mick Maynard. Mick Maynard qui dit tout simplement que vous êtes amené à vous revoir. Donc là on comprend qu'ils vont te signer à l'UFC. Qu'est-ce qui s'est passé après cette rencontre? Est-ce que tu peux nous expliquer dans les faits ce qui s'est passé? Oui, après la rencontre, Ali Abdelaziz il m'a signé à l'UFC et je veux combattre le mois prochain, le 22 octobre à UFC Abu Dhabi. Et là, il m'a dit « tout va changer dans ma vie ». Il avait le contrat de l'UFC, je peux avoir un visa, je peux voyager, je peux voir ma famille. Ça fait 6 ans, je suis en France ici, illégal, sans papier. J'avais 6 ans, je n'ai pas vu ma famille. Et là, tout va changer dans ma vie. Et lui, il m'a bloqué, il a appelé Ali Abdelaziz, il a demandé 90 000 euros pour me lâcher à l'UFC. D'ailleurs, Ali Abdelaziz a proposé un compromis, à savoir 10% à donner à Fernand. Ça a été refusé par Fernand. À ton avis, pourquoi ça n'a pas été accepté? Pourquoi Fernand tient absolument à ce que tu restes ici? Exactement, il veut juste me bloquer, il veut juste que je reste ici. C'est ça, c'est son objectif. Il a même proposé, il a dit, OK, moi je fais tout le travail, je le mets à l'UFC, j'ai fait tous les papiers, le visa, tous les papiers nécessaires avec lui, et je prends rien. Et lui, il va donner la commission, le pourcentage de l'argent de ces combats à toi. Et même comme ça, il a refusé. Mais il n'y avait pas de condition, Salim, quand tu as signé ton engagement avec le MMA Factory, il n'y avait pas une clause justement qui te disait « si jamais tu pars à l'UFC, tu dois donner tant à M. Lopez ?» Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il m'a dit « si l'UFC t'appelle, je te laisse directement, tu pars. » D'accord. Alors, justement, Fernand a dit à Ali Abdelaziz que tu souhaitais le quitter. Donc apparemment, il était déjà au courant que tu souhaitais le quitter. Pourquoi tu souhaitais le quitter, en fait, au départ? En fait, j'ai trop galéré avec Lopez. Moi, quand j'ai rencontré Lopez,
J'étais en 2019. Ça fait 3 ans que j'étais déjà en France. Et là, j'ai fait le championnat de France en lutte. J'étais champion de France en lutte, champion de France sambo sportif et champion de France en sambo combat. Parce que j'étais 3 ans licencié de 2016 jusqu'à 2019. Et là, j'ai le droit, même j'ai pas les papiers, j'ai le droit de faire les championnats de France. Et là, il m'a appelé. Il m'a dit, tu viens tu faire les sparring avec Ngannou. J'ai parti là-bas, j'ai fait les sparring. Il m'a dit, tu restes avec moi, je vais t'aider pour les papiers, je vais faire tout. Après, je me trouvais dans des conditions vraiment très très mal. C'est-à-dire. Je dors dans la cave de la salle, j'ai pas d'argent à manger. Il m'a promis pour m'aider les papiers, j'ai pas les papiers. Après, j'ai quitté le MMA Factory et j'ai parti. Et j'ai combattu à LFL en Hollande. Et il appelle l'organisateur. Il dit, ne donne pas des combats. J'ai déjà fait 2 combats. J'ai 3 euros. Et il m'a bloqué dans toutes les organisations en Europe. Et après, j'ai pas le choix. J'ai revenu à travailler avec lui à ARS. Il m'a proposé un combat avec Luis Enrique, un vétéran UFC. Et juste pour 3 000 euros. J'ai gagné le combat. Après, il m'a proposé un combat pour le ceinture avec Nouftalayev. Un gars qui a 12 euros, il m'a donné juste 4 000. J'ai demandé, c'est quoi un combat pour le ceinture? Tu me donnes juste 4 000. Il m'a dit, si tu veux, sinon, si tu préfères, j'enlève la ceinture. Parce qu'il sait que moi, je n'ai pas le choix. D'accord. Après, il m'a dit, si tu veux prendre le combat, tu dois venir s'entraîner dans mon gym. Au départ, il m'a dit, tu peux t'entraîner où tu veux. Après, il a dit, il ne faut pas que mon coach, Christian Pombo, qui vient me coacher dans le combat. Après, je suis parti en France. Il m'a mis dans une chambre qui je dors dans le sol avec des dizaines de combattants dans une maison très, très sale, très dégueulasse. Il m'a promis qu'il va me préparer, va s'entraîner. J'ai parti la première jour dans la salle, j'ai fait les sparring avec Cyril. Après, il m'a dit qu'il va partir en vacances. On comprend toutes les raisons qui te poussent à vouloir quitter le MMA Factory, mais là, on a envie de comprendre, en fait, dans quelle situation tu es aujourd'hui, à l'heure actuelle. Tu avais signé avec l'UFC, finalement, l'UFC t'a résilié. Pourquoi, là, ce qui se passe, pourquoi c'est grave, en fait? Là, parce que je suis bloqué. Je suis bloqué. Je peux rien faire maintenant. Lui, il a dit, il a encore 2 combats avec moi dans ARS. Et là, il demande 90 000 euros. Mais lui, il me paye pour combat pour le ceinture juste 4 000 euros. Et je combats dans son organisation. Je suis sans papier. Et j'ai signé le contrat de ARS. Et moi, je suis illégal. Je suis sans papier. Et là, il me bloque avec l'UFC. Il arrête mon carrière du MMA. Et il fait tout ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que tu as songé à te rapprocher de ton avocat pour essayer de te libérer de tes chaînes? Parce que de toute évidence, tu vis très mal cette situation. Ouais, tu sais, je suis dans des conditions très très dures, même pour payer un avocat pour prendre témoin contre lui, j'ai pas les moyens. Alors, Je suis Salim, maintenant. Salim, tu sais qu'au tribunal, tu as des consultations gratuites d'avocats? Qui vont te permettre Oui, d'exposer je ton ta sais. situation et pourquoi pas apporter des solutions et des démarches à effectuer. Et puis, est-ce que tu. Exactement. C'est ça que je cherchais maintenant. Avec l'influence d'Ali Abdelaziz, qui a l'air de te soutenir de manière inconditionnelle, parce que c'est lui qui a un petit peu déclenché toute cette polémique sur les réseaux, nous, on n'en aurait jamais eu connaissance s'il n'avait pas fait ce tweet. Est-ce qu'il n'a pas, avec son influence, le moyen de peut-être générer, je ne sais pas, une cagnotte pour que tout le monde soit solidaire? Tu as beaucoup de supporters. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des solutions pour toi? Parce que ce serait vraiment dommage. Je veux dire, tu avais signé, ton rêve, il est là. Tu peux pas te permettre de baisser les bras maintenant. Oui, il a proposé une solution. Il a dit, OK, il va te payer chaque combat et tu peux rien faire. Lui, il va avec son équipe, ils vont faire tous les papiers, ils vont faire tout le travail et ils vont faire le visa, ils vont s'occuper de moi et moi, je vais payer à lui 10% à chaque combat et même cette proposition, il a refusé.
Ouais. Mais là, de toute façon, là, je pense qu'au niveau juridique, ça va se passer entre les mains d'un avocat, Slim. En tout cas, nous, on va suivre tout ça de très très près. Sache que l'invitation a été lancée auprès de Fernand Lopez pour savoir, parce qu'il a son droit de réponse lui aussi, on va avoir vraiment toutes les versions de cette histoire. Ali Abdelaziz aussi est prêt à faire une interview visio. Slim, écoute... On va te souhaiter vraiment le meilleur. On espère que tu vas réussir à rattraper ton rêve. On va te suivre de très très près et on va continuer à être en contact. Merci Slim. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. C'est des situations qui sont incompréhensibles. Et puis là, on est de l'ordre... là, il y a du droit des contrats par rapport aux conditions dans lesquelles il a vécu. Ce qui me dérange, c'est que tout ce travail qui a été fait pour le MMA et les valeurs que ça véhicule, on est tous là à prôner les valeurs martiales du MMA. Là, on est dans quelque chose de lunaire. Il faudrait juste dire, OK, va de ton côté, je vais du mien. Terminé, on n'en parlera plus. Ça y est, à 5 secondes, c'est réglé. Là... Et puis le problème, c'est qu'on a des sons de cloche différents. On ne sait pas. Nous, on est juste là pour se faire. Mais encore une fois, Alors, c'est peut-être un peu dans ma philosophie de vie, mais je comprends pas. On véhicule des valeurs, mais on les respecte pas. Alors après, c'est surréaliste. On va quand même attendre d'avoir le regard de Fernand Lopez. C'est important. On va avoir toutes les parties prenantes de cette histoire. On va surtout pas. On se garde bien d'avoir. Enfin, on a notre jugement personnel, mais on le donnera pas. Mais voilà, attendons d'avoir les deux sons de cloche. T'as tout à fait. Exactement. Donc, on va avoir un gros programme pour les semaines à venir, notamment cette polémique qui, on espère, trouvera un dénouement heureux. Lionel, on aimerait bien en tout cas. Beaucoup d'événements à venir. Justement, celui qui va faire le cœur de l'actu, eh bien, c'est Azaël Hadjoudj. Il va combattre au Bellator Dublin. Est-ce que tu nous entends, Azaël? Est-ce que tu es avec nous? Oui, je vous entends bien. Azaël, donc où est-ce que tu es en ce moment? Là, du coup, je suis en Irlande au SBG. Ouais. Et c'est mon club, c'est là où je m'entraîne quand je suis, depuis 2018. Et je m'entraîne aussi quand je suis sur Paris au NR Fight. Et voilà. Alors, le SBG de Dublin, avant ça, tu viens d'une famille de combattants, notamment ton papa qui a été un pro en karaté, kickboxing et de multiples sports de combat. Donc, c'est une affaire de famille. Et pourtant, tu as quitté le foyer familial pour aller justement prendre plus de plaisir et surtout évoluer à Dublin. Pourquoi Dublin? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? C'était quand? C'était en 2018, je sortais d'un combat de pied-point. J'étais un peu blessé et moi, dans ma tête, depuis petit, je voulais faire du MMA, donc j'avais 19 ans. Je me suis dit, si je ne commence pas maintenant, dans ma tête, ça allait être trop tard. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion aller pour aller en Irlande, au SBG. Et je suis arrivé là-bas et quand John Kavanagh, il m'a vu boxer et tout, et après, il est venu me voir, il m'a dit combien de temps tu restes et tout. Je lui ai dit, moi, j'ai qu'un billet à aller, je n'ai pas de billet de retour. Il m'a dit d'accord. Et après 15 jours d'entraînement, il a vu que j'étais là tous les jours, que j'avais la dalle, que je m'entraînais dur, dur, dur. Et même si je n'avais pas du tout de lutte, pas du tout de sol, j'étais là tous les matins, assidu, tous les soirs. Et voilà, après, à partir de là, on a reparlé. C'était 15 jours, 3 semaines après. Et il m'a dit, si tu restes ici en Irlande et que tu es d'accord de signer avec le club, tiens, regarde, boum, il m'a mis un contrat du Bellator alors que j'avais jamais fait d'MMA de ma vie. Il m'a dit, tiens, dans 2-3 ans, quand tu passeras pro, tu auras directement ton contrat au Bellator. Là, on va faire un peu d'amateur, les IMAF, et après, on passera pro. Et voilà, là, maintenant, on en est là et je viens de re-signer un contrat de 4 combats au Bellator, donc c'est le top. Hein. Magnifique, Azaël. Alors moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de toi. Donc, tu avais signé au Bellator, premier combat. C'est assez exceptionnel de signer un premier combat au Bellator. Et à l'époque, il se murmurait dans les couloirs, et j'aimerais bien savoir si c'est une rumeur ou si c'est une vraie info. Il se murmurait qu'à l'entraînement, tu avais mis KO Conor McGregor et que c'est ainsi que ta réputation s'était forgée auprès du Bellator et qu'on t'avait donné ta chance. Est-ce que c'est vrai? C'est une info? C'est une intox? Non, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est la légende. On a fait des rounds avec Conor, ça s'est toujours bien passé dans le respect. D'accord. Il y a d'incidents comme ça. Et voilà, et moi, surtout les histoires de sparring, les gens qui en parlent à l'extérieur, ça n'a rien à voir.
D'accord. Parce que un sparring, c'est un sparring, un combat, ça n'a rien à voir. Donc ce qui se passe dans la salle, ça reste dans la salle et ce qui a été dit, c'est, ça n'est pas arrivé. Mais bah écoute, c'est important d'en parler au moins, comme ça on connaît la vérité de ta bouche, c'est parfait. Ouais. Ton prochain combat, c'est le 23 septembre, donc ce sera au Bellator de Dublin, face à un adversaire, donc c'est Jordan Barton, c'est ça? Tu as changé d'adversaire? Ouais. Ouais, c'est ça. Un peu plus expérimenté, c'est probablement le challenge le plus important de ta carrière. Ouais, c'est ça, c'est un mec qui est 7-2. Ces deux seules défaites, c'est face à des très bons mecs, un top au Cage Warrior et un de mes partenaires d'entraînement, Kieran Clark. Donc voilà, moi je suis content. Après, voilà, comme d'habitude, de base, je devais combattre un mec qui est beaucoup moins fort. Et John Kavanagh, il m'a dit, enfin il me connaît, il m'a envoyé un message, il m'a envoyé New Victim, la nouvelle victime, et il sait que moi je cherche pas pour combattre. Bon, mais qui on veut, ils mettent qui ils veulent, je signe le contrat, je suis pas à choisir à gauche, à droite. C'est un combat dur, il est plus expérimenté, il est un peu plus âgé que moi. Moi, j'ai 23 ans, lui, il en a 30, je crois, bientôt. Et il a l'habitude et tout ça, mais moi, ça ne me fait pas peur. Je m'entraîne avec les meilleurs, je me tape avec les meilleurs tous les jours. Et il n'y a pas de... Un combat, c'est un combat et je suis déterminé et prêt à aller chercher cette victoire. Niveau prépa, niveau game plan, c'est plutôt un avantage d'avoir un partenaire comme Kieran Clark qui, justement, a battu ton adversaire. Ça veut dire que tu connais bien ses forces et ses faiblesses, j'imagine. Ouais, c'est ça. Après, voilà, bien sûr, j'ai observé, j'ai regardé ses combats à Jordan Barton. Et après, mon pote Kieran, pareil, lui, il est très bon en lutte, très bon au sol et tout ça. Il a un vrai, il a fait beaucoup de combats amateurs. Il a une trentaine de combats amateurs. Il a un vrai style IMAF. C'est comme ça qu'il a battu. Et nous, ici, en Irlande, on travaille beaucoup contre la cage, beaucoup en, voilà, en lutte spécifique MMA et tout ça. Et du coup, ouais, le game plan, après, en pied-point, moi, je sais que je ne vais pas avoir de problème. Et après, ouais, on verra comment on sent dedans et je serai prêt à toutes les éventualités. Alors, quel serait le scénario idéal là? Qu'est-ce que tu attends de ce combat? Est-ce que tu attends que ça t'ouvre des portes? Qu'est-ce que tu aimerais voir là, dans un futur proche pour ton avenir? Moi, dans un futur proche, là, j'ai signé 4 combats, donc enchaîné 4 combats, 4 victoires. Après, ça me ferait un palmarès intéressant, 7-1. Et à partir de là, on verra bien où ça mènera. Mais là, dans un premier temps, j'ai ce combat la semaine prochaine, un combat après l'autre. Et voilà, on va voir comment ça se déroule étape par étape. On aimerait bien te voir en tout cas sur un Bellator France, Azaël. On t'a pas encore vu à Bercy, ça serait pas mal. Ouais, franchement, ça aurait été lourd. Et même cette année, ça aurait été possible. Mais je m'étais cassé la main sur mon dernier combat. D'accord. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas pu se faire. Parce que sinon, John Kavanagh, il voulait qu'on fasse ça. Mais voilà, là, j'ai enchaîné mes 2 derniers combats. J'ai combattu avec... Je me suis cassé la main 2 fois. Moi, ça ne m'a pas empêché de gagner les combats. Mais voilà, donc c'était compliqué. C'est pour ça que j'étais beaucoup à Paris sur la dernière année. Parce que mon kiné et tout ça, Rémi, mon préparateur physique, tout est basé sur Paris. Et du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup entraîné au NR Fight aussi, où ça m'a vraiment permis de progresser avec Johnny Fraché, Morgan, toute l'équipe. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des championnats d'Europe et il y a un petit qui va certainement gagner la médaille d'or. C'est tout ce que je lui souhaite. C'est le petit Souil Mareski. C'est ça. C'est mon petit frère. Ouais, il y a de la graine de champion, on te l'accorde. Merci beaucoup, Azaël, pour ton temps. On voit que tu es à l'entraînement, on ne va pas te retenir plus longtemps. Bon courage, on te souhaite le meilleur pour ton combat et on va te suivre évidemment de près. Bon courage à toi, Azaël. Merci, à bientôt. Bye bye. Bon, bah, cette émission, elle a été riche hein, en termes de talk. On a beaucoup parlé, on a fait le tour de l'actualité, je crois. On va se quitter sur ces images. On a... Ouais. Malheureusement, on a un temps à tenir. On se retrouve la semaine prochaine. Bah, il faut en garder un petit peu pour la semaine prochaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour toujours plus d'actualité. L'évolution de la FMMAF, on va continuer de la suivre. Merci Lionel. Reviens merci quand tu veux pour faire un point sur la Fédé, vraiment. Ça nous permet, nous, de communiquer avec, avec le public voilà, qui demande de plus de communication. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée.